Au-delà d'une forte averse, enregistrée dans la capitale provinciale du Haut-Ogooué, Aubameyang et les siens sont motivés et vont devoir s'accrocher pour tenter de finir en beauté cette phase éliminatoire qui commence par ce match contre la Libye. Déjà présent en terre altogouvéenne, Lui Otuanga et Donald Zé ont été rejoints par d'autres joueurs sélectionnés. Après l'intégration de David Sambissa, auteur d'un match appréciable face à l'Angola lors de la quatrième journée, les regards sont désormais fixés vers Nemela, nouvel arrivant en sélection. Il va donc faire ses premiers pas avec l'équipe. Nouvelle famille pour le sociétaire de Brighton. Pour ces deux matchs, j'ai fait appel au jeune Ulrich Eneme, pour qui ce sera son premier cap, sa première sélection. Un jeune joueur qui a du potentiel, qui a joué dans les équipes de France de jeunes et pas des moindres. Et je pense que c'est le moment, je dirais, de le mettre, de l'intégrer dans le groupe. Ouais, je suis très content, je vais me battre pour mon pays. Le plus que je peux, je vais travailler dur et je vais faire le mieux que je peux pour aider l'équipe. Plus avec le sélectionneur, j'ai parlé. Ça se passe très bien, ça se passe bien ici. Les Panthères ont quelques jours pour affiner les réglages et leur automatisme. Reste à Patrice Neveu de trouver les bonnes combinaisons pour aligner un 11 type compétitif.